La satisfaction d'avoir pris les 3 points parce qu'on a fait le match qu'il fallait après un déplacement difficile au Togo avec dans des conditions très très pénibles, chaleur, humidité, l'état du terrain. Donc, c'était pas facile de se replonger 4 jours après sur le championnat. Donc, je suis très content pour les joueurs parce qu'ils ont fait le match que j'attendais d'eux. Le seul point noir, c'est cette inefficacité qu'on a eue. Parce que je crois qu'on s'est créé 7 ou 8 occasions. Marquer un seul but, pour moi, ce n'est pas suffisant. On aurait dû se mettre à l'abri rapidement dans ce match. On a eu beaucoup trop d'occasions. Et au final, à la fin, on a failli subir un hold-up. Parce que Mohamedia, ils ont une occasion. Et heureusement que Ayoub reste concentré pour la mettre en corner. Parce que si on prend le but à ce moment-là du match, c'est un partout et on n'a plus que nos yeux pour pleurer parce que c'est un vrai hold-up, mais ça nous aurait pendu au nez dans la mesure où on a été trop inefficace et on a loupé trop de buts faciles pour se mettre à l'abri. Voilà, maintenant après, je peux pas enlever aux joueurs l'état d'esprit, la combativité, la volonté de jouer, d'imposer notre jeu. Et ça, pour ça, je les félicite. Voilà, mais je pense que globalement, c'est une rencontre qu'on a plutôt maîtrisée et qu'on méritait de gagner. Non, parce que si vous voulez, il reste 9 matchs maintenant. Il y a encore trop de points à distribuer. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est compter sur nous-mêmes. Voilà. Après, s'il y a des résultats qui nous arrangent, on va pas les refuser. Mais pour moi, le plus important, c'est de continuer à avancer dans ce qu'on fait. Avec l'état d'esprit, le jeu qu'on met en place, la volonté de gagner les matchs, parce qu'on a toujours joué pour gagner les matchs. Et après, bon, on verra ce qui se passera, mais on ne regarde pas le classement et les matchs des autres. Après, si ça nous arrange, encore une fois, c'est tant mieux. Mais je veux pas qu'on se concentre sur les autres. Concentrons-nous sur nous-mêmes, et puis après, on verra. Très bien. Alors, la première chose, d'abord, concernant la Botola, on est très loin d'une consécration. Il y a encore 27 points, il y a 9 matchs. Des matchs encore, des matchs importants. Tous les matchs vont être importants, donc on reste concentré. On a déjà un match difficile dimanche à Agadir et on va aller là-bas pour prendre des points et continuer d'avancer. Après, sur le tirage au sort de la CAF, je pense qu'à ce niveau-là, les 8 équipes, ce sont des équipes de qualité. On était déjà, nous, dans une poule très difficile. Puisqu'il y avait quand même y a eu 2 équipes à 11 points, une équipe à 10 points. On est la seule poule à avoir ce niveau-là avec 3 équipes. Donc aujourd'hui, on sait que là-bas, ça va être difficile pour différentes raisons, en dehors du cadre sportif, il y a pour différentes raisons. Par contre, on a la volonté aussi là-bas de faire un résultat parce qu'on aura aussi la chance de recevoir sur le match retour. Et chez nous, avec ce public fantastique, qui est un vrai atout à domicile, on espère pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Maintenant, ce que je souhaite aussi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, la CAF, on la met de côté. On ne s'en occupe plus jusqu'au 23 avril. Le plus important aujourd'hui, jusqu'au 23 avril, c'est de se concentrer sur la Botola.
parce que pour moi, c'est la chose la plus importante à la date d'aujourd'hui et à l'heure actuelle. Merci. Shukran bezaf, c'est ça ? Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.